Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. J'entends rien. Un, deux. Un, deux, un, deux, un, deux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Oui, un choc de la dernière décennie qui a un tout petit peu perdu en prestige, quoique, puisque ce sont deux équipes qui visent évidemment les phases finales en fin de saison, qui veulent retrouver leur lustre d'antan, Clermont comme Toulon pour cette affiche aujourd'hui, qui devrait donc se disputer dans des conditions parfaites. Pas de pluie ici, comme on a pu le voir tout à l'heure à Jambouin. Météo excellente, pas de vent, des conditions de jeu impeccables pour voir un gros choc entre deux équipes qui marchent bien dans ce début de saison et qui sont prêtes à en découdre. C'est parti avec ce coup d'envoi donné par Noah Lolesio, l'ouvreur australien, pardon, de cette équipe toulonnaise, et la première réception d'un autre Australien, Folofenga, le talonneur clermontois, et un premier dégagement à suivre pour les hommes de Sébastien Bézi, ici à la manette, qui va préférer passer par une cellule d'avant. Avec la percussion de Marcos Kremer, on a fait confiance quasiment au même 15 de départ qui a gagné la semaine passée à Montpellier du côté des Clermontois, avec seulement deux changements et la rentrée notamment de Newsome à l'arrière. Sébastien Bézi pour le dégagement. Il va sortir ce ballon des limites du terrain et trouver une première touche à l'avantage des Toulonnais dans le camp de Clermont. Alouine Jones, oui, pour son tout dernier match de sa grande, très grande carrière, le deuxième ligne international gallois qui nous a gratifié d'une percée plein champ et d'un offload superbe pour une énorme occasion toulonnaise dans ce début de match. Il a fallu un retour salvateur d'Urdapilleta pour sauver les Clermontois d'un premier essai dans ce match. Mais évidemment, peut-être après le dégagement Clermontois, si vous restez avec nous, on reverra cette percée. On va peut-être profiter de cette mêlée à la refaire. Allez, rapidement, juste pour revoir la percée magistrale d'Alouine Jones pour son premier ballon du match deuxième ligne gallois, la légende aux 158 sélections. Regardez, qui prend l'intervalle et qui libère les bras. Pas mal, Mathieu. Quatre Coupes du Monde, trois grands chelems, trois tournées des Lions britanniques. Et donc aujourd'hui, il fera ses adieux au rugby, Alouine Jones avec une mêlée toulonnaise qui a semblé prendre l'ascendant, donc qui est pénalisée
par M. Rousset, les Clermontois qui vont pouvoir s'en sortir. Oh oui, et quel essai! Quel essai des Clermontois qui ont remonté tout le terrain, quasiment tout le terrain pour un essai superbe de Pesceli Yato, un essai de 80 mètres avec à l'origine une contre-attaque clermontoise, Bautista Delgui qui va s'arracher, progresser sur une quinzaine, une trentaine de mètres. Et puis derrière Mathieu dans la transformation du jeu, il faut aussi tout le talent. On disait des gros porteurs dans cette équipe de Clermont à l'image de Yato. Il est en forme, Pesceli Yato. C'est vrai que Christophe Furios fait confiance en ce moment à ses joueurs gaillards dans son paquet d'avant. Il en fait évidemment partie, mais on sait que c'est un joueur aussi qui aime les espaces. Yato, à l'image de cet essai que va tenter de convertir Benrami Nourdapieta. C'était quasiment le premier ballon d'attaque des Clermontois qui était plutôt dominé dans la possession dans ce début de match. Première occasion, premier essai, et c'est transformé. Et 7-0 pour Clermont. Et la satisfaction, bien sûr, de Christophe Furios qui n'a eu de cesse en avant-match de rappeler à ses joueurs que c'était un match charnière, tournant dans la saison après la victoire face à Montpellier, parce qu'il fallait confirmer justement cette première victoire à l'extérieur depuis si longtemps pour les Clermontois. Les Toulonnais qui, eux, sont venus en Auvergne avec une équipe un petit peu remaniée par rapport à celle victorieuse face au Racing. Il y a eu 11 changements dans le 15 de départ avec notamment Baptiste Serin,
qui est aujourd'hui sur le banc des remplaçants, et une touche trouvée par Sébastien Bézi. Et Clermont qui continue d'appuyer sur l'accélérateur avec des Clermontois ballon en main qui pour l'instant éprouvent la défense toulonnaise avec cette charge de Fritz. La tentative de grattage cette fois récompensée, oui, par Monsieur Rousselet avec ce très bon grattage ici signé Jules Coulon, la jeunesse toulonnaise à l'œuvre en défense. Mais pour l'instant, Toulon, c'est vrai, subit les vagues, les assauts répétés des Clermontois. Il ne faudrait pas que ça dure trop. Oui, c'est quasiment plein. C'est vrai que vous faites bien de le noter, Mathieu. Ça n'a pas toujours été le cas lors de ces dernières sorties. Les supporters qui, aussi à la faveur des résultats positifs, reviennent un peu plus dans le stade. Mais là, c'est une touche dangereuse pour les Toulonnais avec une prise de balle dans l'alignement impeccable et ce ballon porté alors que on a du mal du côté de Ben White à le voir ce ballon parce que les Clermontois sont arrivés au cœur de ce ballon porté, ont mis les mains dessus et Monsieur Rousselet qui va peut-être... Alors pour l'instant ça progresse, donc il l'a joué. Ce ballon qui ne sortira pas côté toulonnais, c'est quasiment une certitude, mais attention, il ne faut pas l'écrouler. Et il va rendre la possession de balle au Clermontois, Monsieur Rousselet, sur cette défense Neubol.
Oui, avec des Toulonnais qui eux aussi cherchent à jouer les coups à fond. On a vu une magnifique offensive au large et puis derrière une interception clermontoise qui a failli tout faire rater pour les Toulonnais. Mais le Clermontois en question était hors jeu et donc l'Olesio se fait justice avec 3 points qui viennent récompenser finalement la bonne réaction des Toulonnais dans ce match et des hommes de Pierre Mignoni. Dans un match où pour l'instant. Je disais dans un match pour l'instant qui est assez plaisant à regarder parce que les défenses se montrent assez laxistes, manquent des plaquages, des espaces dont savent profiter les attaquants des deux côtés. Alors on a vu un essai magnifique clermontois, mais les Toulonnais, eux aussi, ont trouvé des brèches dans la défense adverse. Et c'est vrai que depuis le début du match, on porte le ballon, on s'en débarrasse assez peu au pied. On a dit les conditions de jeu sont plutôt bonnes aujourd'hui à Clermont et on voit un match de très bon calibre depuis le coup d'envoi. Oui, avec un bon ballon pardon, récupéré encore une fois par les Toulonnais. On le dit qu'ils jouent crânement leur chance aussi. Alors attention à ces imprécisions dans les passes, ne pas s'exposer. Avec Daumont qui a cherché l'espace libre, mais c'était bien couvert par Urdapieta. Urdapieta, attention, parce que ce n'est pas le plus rapide. Et là, face à Tuikovu, il a retrouvé Delgui qui se fait chasser. Attention à ne pas faire non plus n'importe quoi, même si Delgui, il a vu un espace. Il a pu le trouver, passer par le sol avec la tentative de contre-ruck de Priseau. Cette action qui illustre un petit peu ce que l'on voit depuis le début du match avec du désordre dans le jeu. On s'en plaint pas, on voit des actions. Certainement que les coachs ne sont pas toujours de cet avis. Yato, on va peut-être remettre un petit peu d'ordre dans la maison avec Sébastien Bézi qui va passer par un jeu au pied de pression. Voilà qui est fait avec un jeu qui est très haut à la réception. Il y aura Daumont, impeccable, qui a échappé au plaquage de Fritzi, jeune arrière, pas celui de Marcos Kremer, avec Falgu qui est venu contester ce ballon, mais qui n'a pas pu récupérer justement la possession. Attention parce qu'au large, il y a encore une fois des solutions pour les Toulonnais avec 2 contre 1 en bout de ligne. Finalement, on choisit de recentrer sa course avec la percussion de Célévasio Tolofua qui avance. Et qui résiste à la PAC, c'est un des seuls joueurs conservés dans le 15 de départ après la victoire face au Racing. Tolofua. L'Olesio du jeu dans le dos avec Saint-Zé. La montée de Delgui sur Daumont qui avait lu la combinaison toulonnaise. Alors qu'un joueur reste au sol au centre du terrain, c'est Dany Priseau qui est touché pour les Toulonnais. Mais le jeu qui continue avec une action encore une fois très longue, à l'image de ce qu'on voit depuis le début du match.
Avec encore une fois des actions où c'est un petit peu n'importe quoi, des ballons qui traînent, des ballons qui passent de main en main avec des Toulonnais qui étaient dangereux. Cette fois, ce sont les Clermontois. C'est vraiment un match complètement débridé que l'on voit avec Georges Moala qui va porter ce ballon récupéré par le bon plaquage de Priseau. Attention au contre-éclat des Toulonnais, ce ballon qui va être sauvé par les Clermontois. Mais c'est vrai qu'on voit des actions de jeu un peu partout. Oui, des schisteras, des petits par-dessus, des petits rasants. C'est vrai que c'est un festival. On va regarder justement sur cette dernière action. Regardez la magnifique schistera de Fritzi pour PC Ligato. Un match, je le répète, mais où on voit beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pas forcément des comportements défensifs qu'apprécient les coachs de la défense. Mais en revanche, les attaquants se donnent à cœur joie dans ce match. Un lancer intéressant pour Folofenga. Tout proche des 22 mètres toulonnais. On n'a pas revu les Clermontois dans cette position depuis un long moment dans ce match, puisque ce sont plutôt les Toulonnais qui ont la possession du ballon depuis plusieurs minutes. Et ils sont sanctionnés, les Clermontois, pour un écran sur cette prise de balle en touche. Avec ce jeu au pied de pression du demi de mêlée écossais White, avec Raka à la réception, qui ne va pas se servir de son jeu au pied. Et un joueur qui reste au sol, au centre du terrain. Attention parce qu'il y a une occasion d'essai là pour les Toulonnais. On a préféré rentrer sa course du côté de Le Corvec. Le retour d'Urda Pieta, mais c'est un nouveau ballon dangereux. Les Toulonnais qui sont à 14 contre 15 parce que je crois que c'est Tolofua qui se fait soigner au centre du terrain, mais qui ont une très très bonne position. Pour pourquoi pas négocier un surnom avec Lolesio, avec Pesciliato qui s'était un petit peu effacé, avec Tuikovu qui parvient à passer dans sa chute avec son soutien d'Aumont. Encore une fois, des Toulonnais en position de marque, un avantage en cours en faveur des Toulonnais. White. Ils vont bien sûr le jouer ce ballon, non Benoît qui ne veut pas le jouer. Quand je vous dis que c'est tout feu, tout flamme ce match et que ça va de partout, les Toulonnais qui ont encore une fois une belle occasion d'essai.
Les Toulonnais qui se récompensent enfin d'une très bonne première mi-temps finalement. Ils ont des munitions, ils ont des occasions d'essai. Cette fois, c'est sur un ballon porté parfaitement négocié, Mathieu, par les avants, qu'ils ont su trouver la solution. Avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. C'est vrai qu'on a parlé de la composition d'équipe de Pierre Mignoni avec beaucoup de changements. Une équipe dite remaniée, mais aussi des joueurs qui veulent se montrer avec les prochaines séances à venir pour les Toulonnais. Des joueurs aussi qui vont quitter l'aventure toulonnaise, comme Halloween Jones, on en a parlé, ou comme Noah Lolisio qui va transformer cet essai pour permettre aux Toulonnais de mener ici sur la pelouse de Clermont 10-7. On a eu peur dans les premières minutes que Toulon finalement ne fasse que courir après des attaquants clermontois, mais pas du tout. Clermont, Toulon a remis la main sur le ballon et c'est Toulon qui mène face aux hommes de Christophe Furios.
avec les Séquins Montois tout de suite pour répondre aux Toulonnais avec une superbe action de Clermont conclue par le talonneur international australien Folofenga. On a vu une superbe combinaison près des lignes de la part d'Oyonna au départ de cette action. Il y en a une pas mal du tout de Clermont, même si d'abord on vous remonte la conclusion, la lecture de jeu avec Moala repoussé, Mathieu, et derrière la bonne adaptation. On va demander voilà, on va contrôler, vous avez écouté monsieur Rousselet pour savoir si Folofenga passe en touche avant d'aplatir ou pas, et ça va se jouer à pas grand chose hein. C'est à mon avis le meilleur axe là, celui-ci proche des lignes. En tout cas, c'est validé pour monsieur Rousselet. Et donc Clermont qui va repasser devant au score à la faveur de cet essai de Folofenga. La tentative très excentrée d'Urda Pieta. C'est vrai que vous avez noté le plaquage peut-être haut de Nicolo proche des lignes. Et ça peut avoir son importance parce que dans ce cas-là, s'il y a essai de pénalité, il n'y a pas de transformation très excentrée. Urda Pieta qui pour l'instant est à 100% dans ses tentatives dans ce match, l'ouvreur argentin. Il nous rappelle un peu Diego Dominguez, non Mathieu, au niveau de certains tics avant de buter. Ça passe en tout cas pour Urda Pieta, 14 à 10. Ce match continue son chassé-croisé.
avec le ballon, toujours en jeu dans ce match. Attention par contre à ces ballons tombés, même si là, encore une fois, on s'en sort très bien du côté des Toulonnais du troisième rideau. Et surtout, il y a des espaces. Là, si on peut aller sur les extérieurs très vite en trois passes, parce que les défenseurs clermontois ont eu du mal à glisser. Jérémy Saint-Zel qui a été repris par le plaquage d'Hérito. Jérémy Saint-Zel qui ne devait pas disputer ce match, qui était 24e à l'origine. Mais Maëlan Rabu a souffert ce matin d'une dent de sagesse. Et donc, Jérémy Saint-Zel qui a pris le costume de titulaire pour ce match à Clermont. La tentative de contre-roc. Et on passe par Alouin Jones. Vraiment très très peu de temps mort dans cette première mi-temps. Et même quand on passe par des jeux au pied, notamment des numéros 9, on va avoir des chasses très efficaces, très rapides des deux côtés qui permettent à chaque fois d'inverser la pression. Des Newsom, pardon, à la réception de ce ballon. Plaqué sèchement à la réception. Bézi qui a jeté l'œil et un grattage toulonnais. Il n'est pas dans les règles, qui va permettre aux Clermontois de se dégager. Ourda Pieta qui va investir de son pied gauche. Le camp toulonnais avec une touche à l'entrée des 22 mètres de Toulon, justement dans un moment un peu charnière. C'est vrai que vous le soulignez, Mathieu, à deux minutes du terme de ce premier acte qui aura vu vraiment deux équipes jouer un beau rugby, se rendre coup pour coup des Toulonnais qui ne sont pas venus en victime expiatoire, loin de là, qui pour l'instant tiennent la dragée haute à cette équipe de Clermont qui cherche à confirmer, on l'a dit, ses bonnes dispositions récentes. Et pour l'instant, ça offre un superbe match de rugby et un beau lancer à suivre pour Folofenga. Prise de balle d'Eviation, ce n'était pas forcément ce qui était annoncé de Simone. C'est la pression mise sur Bautista Delgui. On a reculé de près d'une vingtaine de mètres là pour les Clermontois. Et c'est même une pénalité contre Clermont. La conquête qui a déraillé sur ce coup. Oui, parce qu'on inverse complètement les rôles. Cette fois, c'est Toulon qui va avoir la dernière balle de cette première mi-temps avec un très bon lancer à suivre. Alors là, c'est un petit peu où ça grince depuis le début du match pour les Toulonnais qui ont déjà perdu 3 balles en touche sur ses propres lancers. Mais par contre, ils ont marqué tout à l'heure sur un ballon porté consécutif à une pénale touche. Le lancer de Christopher Tolofua avec la tentative de contre de Thibault Lanin et une pénalité contre les Clermontois. On va certainement cette fois prendre les 3 points. C'est en tout cas ce que demande Pierre Mignoni pour ramener tout le monde au vestiaire et s'en tenir à un score très serré. Une belle défense, mais pénalisée malgré tout, puisqu'on a M. Rousselet estimé que Thibault Lanin était passé dans le camp toulonnais. C'est ce qui a occasionné cette pénalité pour Noël Olesio. Vous l'avez vu, il est pour l'instant à 100% dans ce match. L'international australien qui a donc l'occasion de ramener un seul petit point les Toulonnais, alors qu'on entend la sirène résonner ici au Marcel Michelin. La concentration de l'Olesio sur son Montpied, 22 mètres. Ça va passer impeccablement entre les poteaux. 14 à 13 pour Clermont. Un seul petit point d'écart dans ce match à la mi-temps. Je peux vous avoir, Ben Ramin, s'il vous plaît. Ben Ramin, il y a les bonnes intentions aujourd'hui. Il y a l'envie de jouer, mais il y a aussi beaucoup de déchets. Oui, il a envie de jouer, mais c'est ça le problème. On perd beaucoup trop de ballons dans le rack. On savait qu'ils mettaient beaucoup de pression dans le rack, mais on n'est pas bon, on n'est pas bon avec ce secteur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de possession. Chaque fois qu'on a des possessions de ballons, on les met à mal, mais il faut éviter les échecs. Merci beaucoup, Benjamin.
C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Ballon rentré. Dehors des 15. Premier arrêt, ça se décale. Même mol. Non, c'est le rouge qui y va, pas de soucis. Et c'est... Merci. Blacker. Second avantage hors jeu.
Oui, certains diront que les deux équipes ont parfois manqué de maîtrise. Ça, si on veut, c'est si on veut regarder le verre à moitié vide des deux côtés. Mais si on veut aussi apprécier le spectacle et le beau jeu, c'est vrai qu'on a eu dans une ambiance assez débridée, beaucoup, beaucoup de belles actions, beaucoup d'opportunités, beaucoup de ballons portés par les deux équipes qui ont cherché systématiquement à mettre de la vitesse dans le jeu. Les Clermontois qui ont frappé les premiers, on l'a vu avec Pestigliato, dans un autre style, hein, sur un ballon porté, les Toulonnais ont répliqué. Mais globalement, ce score avec un petit point d'écart en faveur des Clermontois, il est parfaitement raccord avec ce qu'on a pu voir dans le premier acte avec des Toulonnais qui ne s'en laissent pas compter, qui jouent crânement leur chance, aussi certainement décomplexés dans ce match à Clermont. Alors que de leur côté, les Clermontois ont un petit peu la pression du résultat. On espère en tout cas se régaler comme on l'a fait en première mi-temps avec ce renvoi de Camille Lopez directement dans les bras de White qui va pouvoir dégager son corps, le demi-mêlée écossais avec Alex Newsome qui a un peu de champ devant lui. L'arrière australien qui passe par le sol. On va voir aussi si les deux équipes mettent les mêmes ingrédients qu'en première mi-temps, à savoir ces longues actions avec des larges qu'on a beaucoup vues de part et d'autre. On a vu également du changement avec Bibi Biziou sollicité. Et là, c'est Tixeron qui va prendre ce ballon avec encore une fois un ballon récupéré par Bibi Biziou. Un grattage toulonnais parfaitement dans les règles et un ballon de récupération avec là aussi des espaces. Une action dangereuse avec Lolesio qui va se débarrasser de ce ballon au pied. Là, c'est le mauvais choix de le voir australien. Il y avait certainement mieux à faire, Mathieu. Et preuve qu'on n'était certainement pas satisfait du côté de Christophe Furios et de son staff de la première mi-temps. Il y a eu énormément de changements côté Clermontois. On a parlé de Tixeron, Amato Serro est entré également. Pierre Fouissac derrière, on a procédé à pas moins de 4 changements à la mi-temps côté Clermont. Ça a dû ronfler un petit peu dans les vestiaires. Yato, on va voir si les Clermontois montrent justement autre chose avec l'option du jeu. Puis attention parce qu'on a bien suivi avec à la course Julien Rito qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Une récupération toulonnaise, mais on va revenir à l'avantage en cours. Et du côté des sorties, on peut noter notamment celle de Fritzi et celle aussi de Georges Moala, qui a cédé sa place à Pierre Foussac. Il y a aussi des armes offensives clermontoises qui ont été coachées à la mi-temps. Et le choix, messieurs, de Urdapieta et de ses coéquipiers, on a choisi d'aller en touche sur cette pénalité consécutive à cette action. On a choisi de ne pas prendre les points qui se présentaient. On veut frapper tout de suite fort dans cette deuxième mi-temps. Et Pestigliato qui a commis un en avant sur ce plaquage. Toulon qui va s'en sortir sur cette combinaison clermontoise mal gérée par Pestigliato, alors que les esprits s'échauffent un petit peu. C'est ça aussi l'esprit derby avec Marcos Kremer et Christopher Tolofua ou Dani Prizo, semble-t-il. Oui, Dani Prizo. On vient calmer tout de suite les esprits du côté de M. Rousset, alors qu'on va revoir oui, cette action avec le plaquage d'Alwin Jones et de Tolofua sur Yato. Et là, c'est une mêlée introduction Toulon, mais dangereuse malgré tout, à 5-6 mètres de l'embut toulonnais.
avec l'essai clermontois pour marquer le début de sa deuxième mi-temps. On est reparti sur les mêmes bases. Et cette fois, c'est un essai en première main à la suite d'une inspiration. Regardez Dourda Pieta, le petit par-dessus. Derrière, c'est suivi par Fouissac. Et là, les cannes d'un des anciens de cette équipe, Sébastien Bézi, pour conclure. Clermont qui reprend de l'air. Alors, on va regarder Monsieur Rousselet qui veut savoir si exactement si Pierre Fouissac est parti devant ou pas le jeu au pied d'Ourda Pieta. Ça ne doit pas se jouer à grand chose. J'étais moi parfaitement placé, vous voyez, du poste commentateur sur la même ligne. Et c'est vrai que ça va se jouer au mètre près. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon comme ça. Ouais, vous avez bien vu, Mathieu, c'est vrai que c'est Sébastien Bézi qu'il fallait regarder. Pas d'essai refusé pour une position de hors-jeu. Toulon qui s'en sort. Et c'est une bonne pénalité même pour les Toulonnais à hauteur de la ligne médiane. Et ça change tout. Ça change tout parce que c'est l'Olesio qui va pouvoir ramener le danger dans le camp clermontois maintenant. Ça a refroidi complètement le Michelin là, qui s'était emballé sur cet essai. Ça a climatisé le stade. Clermont et son public qui craignent aussi cette équipe de Toulon qui pour l'instant fait le match à l'extérieur parfait. Marque sur ses temps forts, résiste défensivement. Avec un grattage récompensé de Coulon sur un ballon gardé au sol par Ourda Pieta. Quand je parlais d'un match parfait à l'extérieur pour l'instant des Toulonnais qui saisissent la moindre occasion à l'image de deux bonnes défenses finalement de Toulon qui permet à l'Olesio de se présenter face aux perches. Pour l'instant, il est parfait dans l'exercice. L'Australien, il va passer une pénalité supplémentaire. Et Toulon qui mène désormais de 2 points ici sur la pelouse du Michelin. Ourda Pieta le rend wallon avec la prise de balle de Duprez, la percussion.
L'Olesio, justement, qui est sollicité avec cette fois une chandelle. Le choix de ces jeux au pied de pression que l'on a vu beaucoup en première mi-temps avec Raka solide dans les airs, mis sous pression par Dréan, mais c'est conservé par les Clermontois. Amatocero qui s'est proposé. La défense toulonnaise qui est à chaque fois parfaitement redisposée sur la largeur, qui se consomme très peu dans les rucks, ou en tout cas qui les cible sur des grattages. Sinon, on va très très vite sur les extérieurs. Et pour l'instant, ça empêche les Clermontois de mettre de la continuité dans le jeu. Oui, c'est vrai, c'est une affiche de marque dans ce top 14 des Clermont-Toulon. On en a eu de légendaires. Et si le lustre d'antan a été un petit peu perdu de part et d'autre, il y a deux équipes qui cherchent à le retrouver avec encore une fois un grattage toulonnais. Cette défense toulonnaise qui fait souffrir les attaquants clermontois. Monsieur Rousselet qui récompense systématiquement les gratteurs. Et Clermont qui se perd un peu dans ce jeu à se heurter à cette défense qui laisse venir les attaquants clermontois avant de mieux contester. À l'heure où on va faire entrer sur la pelouse un autre demi de mêlée, puisqu'on voit Baptiste Jauneau à l'image, lui qui est blessé. C'est Baptiste Serin, le maître à jouer toulonnais, qui rentre pour cette dernière demi-heure. On avait mis quelques armes sur le banc aussi à Toulon, en comptant certainement sur ce scénario, même si cette balle est contrée en touche avec l'alignement clermontois qui a pu récupérer la munition. La passe dans la chute d'un Pesseliato que l'on voit énormément dans ce match, avec Folofenga qui passe par le sol. Bézi, on monte très vite en pointe. Urda Pieta qui a pu malgré tout solliciter Julien Herito. Herito qui s'engage. Et encore une fois, cette défense toulonnaise impeccable sur la largeur qui force aussi Sébastien Bézi à chercher d'autres solutions auprès, Mathieu. Avec Pierre Foussac qui est venu dans l'intervalle. Et Monsieur Rousselet qui a vu un en avant de passe entre Bézi et Foussac alors qu'on avait trouvé les espaces du côté de Clermont. Oui, elle est en avant, légèrement en avant, mais elle est bel et bien en avant, cette passe de Sébastien Bézi. Christophe Furios qui fait la moue forcément, puisque Clermont peine à trouver des solutions face à cette bonne défense toulonnaise. Et Serin qui va apporter évidemment tout son savoir-faire, son expérience, sa grinta aussi dans cette fin de match pour faire le coup parfait à l'extérieur. La mêlée est propre, c'est quasiment la première du match qui se tient à peu près. L'Olesio avec Tukuvu pour jouer les espaces, Wekovu qui est mise au sol. Monsieur Rousselet qui l'a joué, même si peut-être Tukuvu avait un petit peu roulé. En tout cas, c'est ce que réclamait le bon Clermontois. Mais l'action qui peut se poursuivre avec Tolofua qui s'est redisposé sur la largeur. L'Olesio qui porte. Tentative de grattage, mais le ballon toujours conservé par Jean-Baptiste Gros. Tiens, qui a fait lui aussi son entrée sur le terrain quand on parlait d'un banc massif des Toulonnais. Avec la chandelle de l'Olesio toujours dans la même stratégie toulonnaise avec ses jeux au pied de pression. Et ce ballon récupéré par Raka, mais un en avant de Newsom à la récupération. C'est vrai qu'on ne s'embête pas vraiment dans cette deuxième mi-temps du côté de Toulon, mais c'est un match à l'extérieur qui est bien géré, Mathieu, avec Noël Olesio en chef d'orchestre qui met la pression par son pied.
la mêlée qui a mis un peu de temps à jouer. Mais j'en conclue que vous restez avec cette bonne possession à venir pour les Toulonnais dans le camp clermontois. Bonne possession pour enfoncer le clou. Pour l'instant, la mêlée qui nous offre un match à jeu égal avec une pénalité de part et d'autre. Récupéré. Je vous confirme, comme beaucoup de mêlées en top 14, c'est un peu l'arlésienne, vous savez. Il y a une superbe combinaison des Toulonnais et l'essai qui, à mon avis, va être accordé parce que le ballon n'est pas aplati par Folofenga. En revanche, il l'est, semble-t-il, dans un deuxième temps par Jules Coulon. C'est évidemment ce que cherchent à voir les arbitres. Mais le ballon, il est rentré par Fenga, jamais aplati. On risque de voir un essai toulonnais, messieurs. Monsieur Rousselet qui demande si Jules Coulon fait un en avant. Moi, il m'a semblé qu'il aplatissait bien dans un deuxième temps ce ballon. Et après l'arbitrage vidéo, on va vous remontrer la magnifique passe au pied de Baptiste Serin parce que c'est une combinaison superbe de la part des Toulonnais. Ah, est-ce qu'il aplatit ou est-ce qu'il ramène le ballon dans son camp? C'est pas facile non plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait un en avant. J'ai plus que l'impression que c'est le dernier touché à terre qui n'est pas très net parce que... Et le touché à terre est bon pour M. Ousli qui va accorder cet essai. Il va l'accorder, Monsieur Rousselet, l'essai au Toulonnais, l'essai de Coulon. Toulon qui est en train de faire le break ici, sous la bronca du public du Michelin. Coulon qui est à gratifier d'un superbe match. Et lui qui vient gratter des ballons, c'est lui qui est à la réception de cette passe au pied de Baptiste Serin sur une merveille de combinaison. Les consignes de Pierre Mignoni qui demande à ses joueurs de rester concentrés, de rester froid. Pour l'instant, les Toulonnais sont en train de faire le coup parfait à Clermont, saisissant la moindre opportunité de scorer. A l'inverse, les Clermontois qui tombent un petit peu dans un jeu brouillon, qui ont du mal à jouer désormais dans l'avancée. Les Toulonnais en profitent, les Toulonnais qui sont 7 points devant, et avec la transformation qui ont l'occasion de faire un vrai break dans ce match. Avec Noël Olesio, pour l'instant, il est parfait au pied de l'Australien. Ça va passer avec le poteau, entre les poteaux, l'aide du montant pour Noël Olesio, 9 points d'avance pour Toulon ici à Clermont.
Avec un avantage en cours pour les Clermontois, oui, qui sont à 5 mètres de l'embute avec la passe de Pierre Fouissac. Il y a peut-être un surlambe au bout de ligne. Il a rentré sa course, Alex Newsom, il aurait pu servir peut-être. Sébastien Mézy qui tente de mettre de la vitesse dans le jeu, la passe supplémentaire. Avec en 1 contre 1, c'est trop dur pour Delgui avec le beau retour de Daumont. Et on va certainement revenir à la pénalité, à l'avantage des Clermontois à 5 mètres de l'embute toulonnais. Ça se précise dans ce match, c'est vrai que ça n'arrête pas depuis la première minute. Le chat s'est croisé, l'intensité des débats, les actions, on en perd un peu notre souffle. Mais quel match offert par les deux équipes aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est Toulon qui mène de 6 points. Et quelle dernière aussi pour ce grand monsieur, hein, Halloween Jones, pardon Mathieu, regardez à l'image, qui est en train de faire 60 minutes de très haute intensité pour, on le rappelle, Mathieu, sa très grande dernière. Avec la tentative de ballon porté tout à l'heure, on a vu que les Clermontois s'étaient montrés imprécis dans ce secteur de jeu avec la charge de Bibi Biziou et le bon plaquage de Baptiste Serin. On a très bien défendu la situation côté toulonnais et ça va revenir avec les impacts forts des avant Clermontois côté de Bézi avec Amato Serro qui est bien repoussé. Gros plaquage de Brooks, Bézi qui met du rythme avec maintenant Folo Fenga qui a Kramer à ses fesses. Bézi qui met encore une fois du rythme avec Georges Moala, utilisé pour sa puissance sur Dapieta qui n'a pas pu servir ses trois quarts. Fritzi, il y a l'inversion. Fritzi avec la passe supplémentaire pour Akar. Akar qui a passé les bras pour Dixteron, pour les Clermontois. Ils ont su forcer la décision sur cette magnifique action avec un offload de grande classe d'Aliver et Tiraka. Oh, quel match! Quel match entre les Clermontois et les Toulonnais! Et pour passer devant au score, il faut encore marquer la transformation pour les Clermontois qui sont toujours menés d'un point après cet essai de Kylian Tixeron. Mais quel match offert par deux formations qui produisent du beau rugby et qui pour l'instant se rendent coup pour coup dans un duel qui tient toutes ses promesses. Urda Pieta, il est à 100%, me semble-t-il, dans ce match au pied, tout comme son homologue Noah Lolesio. Et cette transformation est très très importante, évidemment, à un quart d'heure de la fin de ce match. Clermont toujours un point derrière. Avant la transformation d'Urda Pieta, elle est bord de touche quasiment. Et ça passe pour Urda Pieta. Un petit point d'avance pour la SM, 24-23 avant un quart d'heure, avec beaucoup de suspense. Et la sortie, messieurs, évidemment, je vous fais rester un petit peu plus parce que c'est la sortie d'une des légendes du rugby mondial, Halloween Jones, 158 sélections, recordman de sélection de l'histoire de notre sport, 4 Coupes du Monde, 3 grands chelems avec le Pays de Galles, 3 tournées des Lions britanniques. Il fait ses adieux à la planète rugby. Et standing ovation, vous l'entendez, du public de Michelin Connaisseur qui salue la sortie du deuxième ligne toulonnais. Et Halloween Jones qui va être aux premières loges pour suivre donc cette fin de match avec énormément d'enjeux, de suspense, avec des Toulonnais qui tentent de mettre la pagaille dans les rucks clermontois. Bézi, il a été coffré. C'est Yannick Huyout qui est venu mettre la pression pour désorganiser un petit peu la sortie de camp clermontoise, ce qui a plutôt réussi d'ailleurs.
Et surtout qu'il y a une occasion là pour les Toulonnais avec ce ballon récupéré par ce diable de Baptiste Serein qui s'est fait la malle tout seul et des Toulonnais qui avancent à l'impact. Occasion toulonnaise maintenant dans ce match, puisqu'on dit qu'on se rend coup pour coup. On retrouve les Toulonnais à l'attaque avec du surnombre à négocier là pour Domon qui a préféré rentrer sa course avec le plaquage peut-être un peu haut d'Amatosero, l'arbitre qui laisse jouer la sortie rapide de Serein avec Youyout qui est servi sur les extérieurs avec la défense clermontoise qui s'est replacée, qui pour l'instant tient en haut l'ancien troisième ligne toulousain. Mais que c'est dur, et c'est un ballon rendu par Monsieur Rousselet, par la défense clermontoise qui a tenu au ballon. On s'est sacrifié là du côté du vétéran Ourda Pieta, mais que c'était chaud encore une fois sur l'embut de Clermontois. Et Baptiste Serein qui venait réclamer, mais Monsieur Rousselet qui veut que ça joue évidemment avec des changements. On a vu une stratégie clermontoise assez particulière, Mathieu, dans ce match, avec par exemple Falgou sorti à la 30e, Moala sorti à la mi-temps, qui re-rentre dans le cours du match. Des changements a priori qui étaient prévus par l'encadrement clermontois, une façon de coacher que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et Clermont qui va pouvoir souffler et se dégager, même si Folo Fenga reste au sol par l'intermédiaire d'Ourda Pieta. Mais que c'est chaud, que ça va être chaud encore pendant 10 minutes. Avec la touche trouvée par Ourda Pieta, mais toujours évidemment dans le camp clermontois, le lancer de Folo Fenga qui a repris sa place péniblement. Lui aussi, on tire un peu sur sa corde parce que le talonneur remplaçant du côté de Clermont, eh bien, il n'a que 19 ans, il n'a que 3 petits matchs de top 14 dans les jambes, Robin Couli. Alors pour l'instant, on cherche à faire tenir le vétéran australien Folo Fenga pour cette fin de match compliquée face au rugby club toulonnais. Tiens donc, j'ai failli en faire une. Amatosero, prise de balle. Là, j'aurais pris cher. Avec un ballon porté qui est bien contré par les Toulonnais. Non, on s'est mis encore une fois à la faute. Attention à cette indiscipline. Pierre Mignoni, justement, qui tout à l'heure demandait à ses joueurs de rester froid, de rester calme, discipliné. Pour l'instant, c'est cette discipline qui fait défaut aux Toulonnais. Et cette fois, c'est un lancer juste devant la ligne des 22 mètres pour Folo Fenga et les Clermontois. Avec toujours ce petit point d'écart sous les yeux de Romain Poite, membre évidemment du staff du rugby club toulonnais, avec les avants Clermontois qui enclenchent un ballon porté. C'est encore une fois bien défendu de la part des Toulonnais qui pour l'instant sont impeccables dans ce secteur. Même si là, on a progressé d'une dizaine de mètres maintenant avec Folo Fenga toujours qui conserve ce ballon. Attention parce qu'on a fait le tour là du côté de Jean-Baptiste Gros pour venir impacter le talonneur clermontois. Colère du staff de Clermont sous mes yeux, mais ce ballon qui va être libéré avec Sébastien Bézi qui va solliciter Georges Moala, systématiquement utilisé en premier attaquant. Baptiste Serein qui tente de mettre les mains pour ralentir, mais le jeu qui peut se poursuivre avec toujours énormément de rythme. Sébastien Bézi, attention à ne pas s'exposer sur les largeurs parce que là, il y a beaucoup plus de Toulonnais que de Clermontois. Sébastien Bézi toujours. Ourda Pieta à la remise intérieure avec nous sommes. C'est Yannick Huyoud qui n'a plus de maillot mais qui revient en défense. Quel rythme dans ce match avec un Marcos Kremer qui se démultiplie lui aussi dans la lignée de sa grande Coupe du Monde avec l'Argentine. Fenga, attention, il n'y a pas de soutien sur Folo Fenga, il y a surtout un Ourda Pieta qui navigue en position de drop. Et Monsieur Rousselet qui va sanctionner sur une pénalité, même un carton jaune, l'indiscipline toulonnaise
Toulon qui est en train de craquer un petit peu dans ces dernières minutes avec Christopher Tolofioa qui va laisser ses partenaires à 14 contre 15 pour les 10 dernières minutes alors qu'un joueur semble rester au sol du côté de Clermont et ça offre aussi une possibilité d'Urda Pieta de taper une bonne pénalité face au perche. On va évidemment prendre les 3 points. Pardon, Jean-Baptiste. C'est vrai, on se régale ici sur la pelouse du Michelin, dans ce bel écrin, sur une affiche de gala. Clermont, Toulon, on l'a dit, qui rappelle certaines grandes heures du rugby français. Aujourd'hui, les joueurs, en tout cas, nous livrent un superbe match avec Urda Pieta qui a l'occasion, au bout de son pied, de créer un mini-break. Cette fois, à l'avantage de Clermont, en se gardant à l'abri d'une pénalité toulonnaise. Ça passe évidemment face au perche pour Urda Pieta. 4 points d'avance pour Clermont, 27-23.
Oui, dans un secteur où ils ont récupéré une pénalité tout à l'heure, c'était à 5 mètres de l'embut de Clermontois. Rappelez-vous, avec un impact remporté par Jean-Baptiste Gros, le pilier international français de cet effectif de Toulon. Mais l'arbitre avait jugé que, comme Mathieu l'a si bien dit, que sur le déplacement, le bassin en tout cas, il était pénalisable. Mais c'est vrai que pour l'instant, Toulon a montré tous les gages de sécurité dans ce secteur. Avec, vous le voyez, un 3/4 centre, Jérémy Saint-Zel qui est venu prêter main forte aussi à ses avants. Ils sont un de moins sur le terrain, monsieur Rousset. Oh, qui va laisser jouer cette mêlée qui est parti au sol avec Gaël Dréhan qui est venu agresser la ligne d'avantage. La récupération du ballon des Clermontois. Mais pour monsieur Rousselet, il y avait des mains au sol, celle de Moala, sur un grattage en deux temps. Et ça va peut-être offrir une possibilité à l'Olesio de rajouter 3 points. Avoir le choix aussi, avoir le choix, parce qu'ils ne vont pas la tenter. Ils ne vont pas la tenter, cette pénalité, les Toulonnais. Il reste 5 minutes à jouer. Avec une pénale touche. Une pénale touche parfaitement trouvée par l'Olesio et le grattage de Moala. Oui, les mains au sol pour M. Rousselet. Et donc, ça va offrir un très très bon lancer. Là, pour les Toulonnais, avec la volonté de Pierre Mignoni, évidemment, de voir un ballon porté se former. On sait qu'ils ont marqué un essai comme ça en première mi-temps, les Toulonnais. C'est un de leurs points forts cette saison. Les ballons portés, ils sont forts devant. Avec le contre qui n'a pas marché, les Clermontois. Attention, parce qu'on est en sous-nombre derrière pour résister à l'impact toulonnais. Aux avant, il y a un avantage en cours laissé par M. Rousselet. C'est une action très chaude, très dangereuse là pour les Toulonnais sur le but Clermontois avec Baptiste Serin qui a sorti ce ballon. La passe au pied de l'Olesio, elle est parfaitement donnée. Avec l'en avant de Wayne Nicolo, on va revenir à la pénalité contre les Clermontois à 5 mètres seulement de l'en-but. Toulon qui fait le forcing dans cette fin de match. La touche ou la mêlée. Ils vont la jouer à la main. Ils vont la jouer à la main, les Toulonnais. Ils vont la jouer à la main, cette pénalité. Le bras de fer avec Baptiste Serin qui va servir Warion et ses avants avec la puissance des avants toulonnais. Attention avec le grattage, mais monsieur Rousset qui demande au Clermontois de lâcher. On est à un petit mètre seulement de leur but. Quelle épreuve de force. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur cette action, notamment dans la saison des Clermontois qui s'étaient promis de confirmer le succès à Montpellier. Pour l'instant, il faut résister à l'épreuve de force des Toulonnais. Les Toulonnais qui continuent, qui maîtrisent bien ce genre d'action avec l'Anglais David Ribbens. C'est bien fait de Baptiste Serin qui regarde, qui veut peut-être solliciter 3 quarts, en tout cas qui laisse faire les avants avec Jean-Baptiste Gros, la puissance des avants toulonnais. Et il va laisser faire Serin, il va sécuriser justement la possession de ce ballon avec Coulon qui est venu impacter. Attention parce qu'on est en sous-nombre là sous les poteaux avec ce ballon. Il a tenté d'aplatir en plongeant Adrien Varion. A-t-il combien en avant? A-t-il aplati? Oh, il semble dire à l'arbitre qu'il a aplati, il semble être sûr de lui. Ouais, il va même voir ses coéquipiers. On n'a pas vu grand-chose de là où on était placé. A-t-il marqué cet essai entre les poteaux? A-t-il marqué peut-être l'essai de la victoire des Toulonnais ici sur la pelouse du Michelin? Et j'ai bel et bien l'impression qu'il a marqué. J'ai bel et bien l'impression qu'il a aplati ce ballon. La ligne, elle paraît franchie puisqu'il a aplati à hauteur des pieds Clermontois. Ça, il n'y a pas de problème. Et le ballon, à mon avis, il est appuyé au sol. Ouais, c'est pas facile de voir s'il a encore le contact avec le ballon. Peut-être ici, on est masqué.
Il n'y a pas de toucher à terre pour Monsieur Rousselet. Vous avez écouté l'explication de Monsieur Rousselet qui va refuser cet essai au Toulonnais. Mais par contre, la pression qui va rester... Les deux équipes à 14 contre 14 pour cette fin de match. Et les Toulonnais qui vont évidemment rester à faire le siège de l'embut clermontois. Ça devient chaud avec le choix à venir des Toulonnais qui vont certainement continuer avec ces pénalités jouées à la main. Il reste 3 minutes à disputer dans ce match. Clermont désormais est un de moins sur le terrain, tout comme d'ailleurs Toulon. Mais les Toulonnais qui sont dans une dynamique particulièrement positive avec cette pénalité. Non, ils vont choisir la mêlée. Ils vont choisir la mêlée, les Toulonnais. Après ce carton contre Étienne Falgou, on va faire revenir sur le terrain un pilier, mais forcément il va y avoir des situations de surnombre à gérer pour les Clermontois. Alors c'est chaud, il y a beaucoup de choses sur cette action. Il y a Alouine Jones qui prend un petit peu de rabot au passage puisqu'il a fait son retour sur la pelouse. Et il y a surtout ce choix de Christophe Furios de remplacer donc Étienne Falgou par Rabas Slimani, pilier droit évidemment de son état, qui a parfois, Mathieu, vous le savez, dépanné au poste de pilier gauche, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Et cette mêlée est importante. La pression mise sur Baptiste Serin, qui d'une merveille de passe au pied, va alerter Nicolo pour laisser Toulonnais. Laisser sans doute de la victoire, il va rester très peu de temps à jouer ici. Toulon qui aura fini par trouver l'ouverture avec cette merveille de passe au pied de Baptiste Serin. Toulon qui est un point devant avant la transformation, mais il va rester qu'une seule grosse minute au Clermontois pour faire leur retard désormais. À la joie contenue de Pierre Mignoni, la joie avec un petit peu plus d'expressivité de la part des Toulonnais. Nicolo qui a aplati cet essai. Il y a 28-27 au score, vous le voyez, un petit point d'avance pour Toulon. Il y a une transformation à venir très importante de Noah Lolesio. Il est à 100% aujourd'hui, l'international australien de cette équipe toulonnaise. Lolesio pour donner 2 points de plus à Toulon. Il s'élance. L'Australien, ça va passer entre les poteaux. Il aura été impeccable aujourd'hui au pied. Il y a 3 points d'écart. Même une pénalité ne permettrait plus au Clermontois de l'emporter. Il faut d'abord et avant tout récupérer le ballon. Il reste que 40 secondes à jouer. Clermont qui est en train de perdre son bras de fer face à Toulon. Le renvoi de récupération tapé par Orda Pieta à la réception. Il y aura un Clermontois mais qui va commettre un en avant. Et les Toulonnais qui vont pouvoir bénéficier de cette munition avec le jeu au pied dans le champ profond. Il n'y a plus personne. Il faut revenir. Il y avait Nicolo à la course avec le repli d'Alex Newsom qui ne va pas parvenir à capter ce ballon-ci en deux temps. Newsom qui va parvenir à trouver Delgui à l'image de ce match. C'est un petit peu n'importe quoi cette dernière action. Et là, Clermont qui va devoir remonter tout le terrain maintenant pour espérer l'emporter ou du moins faire match nul. Georges Moala avec Folofenga, le bon plaquage, la bonne défense des Toulonnais
qui tente un contre-rock, mais c'est un ballon conservé par les Clermontois. Vous entendez la sirène. Pour l'instant, Toulon qui est toujours 3 points devant. La défense toulonnaise qui aura été impeccable tout au long de ce match. Et les Clermontois qui ont tout le terrain. Maintenant, remonter avec Tixeron, ne pas perdre le ballon, évidemment, ne pas se couper de son soutien avec cette charge de Tixeron. Bézi, il y a aussi tous les joueurs qui n'en peuvent plus, qui ont les mains sur les genoux à chaque temps mort. Monsieur Rousselet qui laisse ce ruck se jouer. Ouais, c'est tout juste, il n'y a pas d'en avant, mais manquait pas grand-chose là pour que ce match finisse avec Ourda Pieta. C'est l'action du bout du monde là pour les Clermontois avec Moala. Moala qui a trouvé l'ouverture, Moala qui s'affiche, Moala qui est passé, Moala qui peut retrouver du soutien peut-être. Il a préféré attendre le soutien, celui de Delgui, alors que peut-être s'il relevait le ballon, il y avait un surnombre pour les Clermontois. Avec Moala à nouveau, avec Ourda Pieta, avec nous sommes la place supplémentaire pour Fenga. Fenga qui revient à l'intérieur pour Ourda Pieta qui ramasse ce ballon. Le soutien qui est là, on est à 5 mètres de l'obus de Toulon. Avec Kremer maintenant. Le public qui pousse, quelle action, ils sont partis de leur propre camp, les Clermontois. Fenga, Bézi, qui réorganise, il y a du surnombre, là si ce ballon est écarté peut-être en 3 passes, même si on va peut-être aussi choisir l'option du drop avec Ourda Pieta qui s'est mis dans l'axe des poteaux. Il y a aussi pourquoi pas le match nul, l'option du match nul à aller chercher pour les Clermontois avec, regardez, Ourda Pieta qui réclame ce ballon. Que vont-ils choisir les Clermontois avec un ping-pong supplémentaire? Ils vont lancer d'abord Georges Moala avec le jeu dans le dos. Il y a un 3 contre 2 avec la course de Delgui qui est venu se proposer. La tentative de grattage des Toulonnais. Un en avant que réclament aussi les Toulonnais. Mais pour l'instant, ça résiste avec Bézi. Amato Cero qui se propose. Et la pénalité contre Toulon. La pénalité contre Toulon pour des positions de hors-jeu. Mais là, Le choix des Clermontois, qu'est-ce qu'on fait? Regardez la question de Christophe Furios à Fred Charrier, on l'a lu sur ses lèvres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Ouais, il y a aussi le fait que, vous le voyez, les Toulonnais vont finir ce match à un de plus sur le terrain, à un avant de plus sur le terrain avec le retour du carton jaune de Christopher Tolofua. Le choix des Clermontois de ne pas choisir l'option du match nul, d'aller en touche pour pourquoi pas provoquer la victoire avec ce lancer de Folofenga. On va trouver Rob Simon, c'est son double mètre. L'épreuve de force des avants Clermontois pour l'instant, c'est bien contenu par les Toulonnais avec dans un deuxième temps l'effort produit par les avants Clermontois. Oh, c'est bien défendu, mais le ballon est disponible pour Sébastien Bézi qui va tenter de l'extraire avec des jambes toulonnaises qui, évidemment, ne font pas l'effort de sortir. Monsieur Rousselet, qui n'ose pas siffler la fin de ce match. Ah, ce ballon porté a été bien défendu. On retrouve, tout comme tout à l'heure, à 5 mètres de l'embute, les avants Clermontois qui vont devoir s'y prendre en pick and go avec Marcos Kremer, avec Bézi qui a levé la tête, qui a, pourquoi pas, sollicité le fermé. On va revenir dans haut près. Avec encore une fois des avants de Clermont qui sont stoppés à 2 mètres seulement de l'embut. Sébastien Bézi qui demande un pick and go. Amato Cero qui va relever le ballon. On voit Ourda Pieta aussi qui replace ses 3 quarts. Quel match! Quelle fin de match incroyable dans ce multi. Folofenga qui va relever ce ballon. Hyperactif talonneur australien que l'on a beaucoup vu inscrire notamment un essai en première mi-temps. Sébastien Bézi, il y a des joueurs cuits partout, partout sur le terrain. Au terme d'une action, regardez, 84e minute. Ce ballon relevé par Fritzi, la défense toulonnaise qui tient bon. Fritzi qui avance. C'est chaud, il n'y a plus qu'un mètre. Il n'y a plus qu'un mètre pour les Clermontois. Ils ont choisi de se récompenser en allant chercher un essai. Ils n'ont pas pris les 3 points. Les Clermontois, il y a Georges Moala qui est venu prêter main forte à ses avants. La puissance de Georges Moala stoppée. Avec un nouveau des avants. Clermontois, ils sont stoppés à plus que quelques centimètres maintenant. Toujours pas de faute toulonnaise. Avec Bézi, cette fois on alerte les 3 quarts avec Ourda Pieta pour Delgui. Aïe 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 aïe, Delgui qui s'est pris les pieds dans le tapis, il faut tout refaire. Faut tout refaire. Fenga, on est reparti à 5 mètres de l'embut toulonnais.
avec Tixeron. Tixeron à quelques mètres encore de leur but. Sébastien Bézi, on a l'impression qu'il ne veut plus écarter le ballon. Échaudé par la tentative tout à l'heure, il veut rester au près avec ses avants, avec Rob Simons. Les hommes forts de Clermont, Baptiste Serin qui tente de mettre les mains. Sébastien Bézi qui est pris dans le ruck. Monsieur Rousset qui fait la police avec Wenger qui va commettre un à l'avant. C'est fini. La défense toulousaine qui remporte ce bras de fer. Et Toulon qui l'emporte au bout du bout. Quel combat, quelle dernière action. Les Toulonnais qui l'emportent ici au Michelin. La ligne comme ça pendant quasiment 5 minutes après autant de séquences, c'est une victoire d'homme pour le RCT aujourd'hui. Ouais, c'est une victoire pour un mec qui est passé dans ce club pendant 4 mois et qui nous a beaucoup apporté. Ouais, bien sûr, je parle d'Aloun. Il a un grand champion qui arrête sa carrière aujourd'hui. On avait à cœur de faire un gros match pour lui et pour les mecs qui étaient en joker avec nous. Voilà, pendant 4 mois, on a partagé une aventure énorme avec eux. Et c'était leur dernier match avec nous, donc on voulait le chercher pour eux. Vous avez déjoué les pronostics aujourd'hui, ça avait fait tourner. Il n'y a pas grand monde qui mettait une pièce sur le RCT. C'est ça l'ADN du RCT aussi, c'est d'aller où on n'est pas forcément attendu. Alors, on sait que les équipes se construisent sur des victoires à l'extérieur. Donc on avait à cœur de montrer que on pouvait aussi gagner à l'extérieur et de venir gagner à Clermont. C'est énorme pour le groupe. On l'a fait, on est venu la chercher, donc content, fier du groupe et fier de ce qu'on a pu démontrer aujourd'hui. Merci Dany. Sébastien, il y a forcément beaucoup de regrets quand on mène, quand on passe 5 minutes comme ça sur cette dernière possession. Après, comme j'ai dit avant le match, je pense qu'on se trompe au début de match, on n'est pas présent dans les rugs, dans le combat, on se fait un peu bouger. On réagit quand on est mené au score, on arrive à revenir, repasser devant, même passer à 4 points devant, et derrière, on fait trop de fautes, ils reviennent chez nous, ils marquent cet essai. Et après, sur la fin, on arrive à se rapprocher de la ligne, mais c'est... On ne mérite pas gagner ce match. Après, voilà, on était trop imprécis aujourd'hui pour gagner aujourd'hui. Voilà. Merci Sébastien. Je vais vous donner.